Et puis compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine, j'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements et de permettre d'avoir justement des capacités de frappe dans la profondeur aux Ukrainiens, toujours en gardant la clarté et la cohérence de notre doctrine, c'est-à-dire permettre à l'Ukraine de défendre son territoire. Et donc nous avons décidé de livrer de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur à l'Ukraine. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est d'envoyer un message de soutien à l'Ukraine, d'unité de l'OTAN et de détermination à ce que la Russie ne doive emporter cette guerre. Et c'est la grammaire dans laquelle nous devons rester.